Salut à tous, c'est Pangla, et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et de niveau somnambulique. Alors, hier Manon faisait une remarque concernant le cours de d'auto-hypnose que je propose, où j'explique que dans le cours débutant, l'objectif est d'arriver au niveau somnambulique. Et elle demandait si tout le monde parvenait au niveau somnambulique. C'est une question que je trouve intéressante parce que ça nous ramène un petit peu au concept de base de l'hypnose. L'hypnose, c'est donc, dans la définition que je vous propose, c'est l'exploitation de la transe pour permettre une sélectivité, une focalisation et une amplification de la suggestibilité. C'est la transe, un état naturel. Quand on dit état naturel, c'est vraiment rappeler à tout un chacun que c'est un état que vous avez déjà vécu des centaines, des milliers de fois dans votre quotidien. Donc, il n'y a pas de niveau dans lequel on ne peut pas aller, surtout sur les niveaux, si on reprend la classification de Aaron, de 1 à 6, tout le monde, absolument tout le monde, a déjà vécu un niveau somnambulique et plein de fois dans sa vie. On se souvient que l'hypnose, c'est proposer à quelqu'un d'aller dans sa transe. Et vu que dans nos transes, on a déjà vécu différents niveaux, bah c'est juste retrouver un niveau qu'on a déjà exploité. Sauf qu'on n'a jamais nommé ça transe, sauf que on n'a jamais gradé la sensation, la perception ou ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Souvenez-vous, hein, les notions d'échelle, elles sont complètement subjectives. On a tenté de les cartographier. Il y a plein de chercheurs qui ont tenté de cartographier les niveaux de transe. Mais ça reste complètement subjectif. Pourquoi le niveau somnambulique, tout le monde peut l'atteindre et c'est assez simple à atteindre? Bah, tout simplement parce que ça vous est déjà arrivé de vous cogner quelque part, de vous faire mal, de vous faire actuellement piquer, et ne pas ressentir de gêne avant un certain temps. Notamment sur tout ce qui est cou, où on s'aperçoit qu'on a des bleus, où on s'aperçoit que parfois on s'est coupé un petit peu, que ça a saigné et on n'a rien senti. Par contre, quand on commence à refocaliser dessus, donc on sort d'une transe où on est focalisé sur quelque chose d'autre, et on se réassocie à la dite problématique, et là on peut se dire waouh, j'ai un peu mal. Alors, ça va pas être des trucs de fou, hein. Mais à ce moment-là, il y a eu pendant un laps de temps tout un aspect analgésique qui fait qu'on n'a rien senti. Or, la notion somnambulique, c'est arriver à un niveau où on a assez facilement cette capacité analgésique. Tout le monde, tout le monde, tout le monde l'a déjà vécu. Donc y retourner, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est comme si on était en train de réactiver un ancrage, donc une réponse à un stimuli, qui est naturel chez nous. Et on le voit bien d'ailleurs sur les ordres de priorité. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que ça nous est déjà arrivé d'avoir mal à la tête, mal au ventre, etc., etc. Puis par exemple, on est en voiture et il y a un gars qui nous fait une queue de poisson où on a deux doigts de rentrer dans une voiture. Pendant un laps de temps, c'est plus la priorité pour notre cerveau, la douleur. Et donc, on a plus mal. Ça dure peut-être pas forcément hyper longtemps, mais c'est assez marquant. Donc, notre idée, c'est d'aller au niveau somnambulique pour une raison hyper simple, c'est que ça peut optimiser le travail de suggestibilité. Pour les personnes qui disent ouais, mais on n'a pas besoin d'y aller, oui, on n'a pas besoin d'y aller. C'est vraiment la notion d'optimisation. Et avec les mots moi, que j'explique, c'est parce qu'on est dans une transe qui est équilibrée. On est dans une transe qui n'est pas trop consciente. On est dans une transe qui n'est pas trop subconsciente. On est dans une transe qui n'est pas fermée, mais qui est ouverte. Et donc, on optimise potentiellement les
l'impact des suggestions et la focalisation, la sélection qu'on va faire de cette suggestion pour justement faire en sorte qu'elle puisse imprimer ou bien sûr donner de l'information en fonction qu'on travaille sur une pratique plutôt hypnothérapie slash psychothérapie ou sur hypnose plutôt brève qui serait hypnose symptomatique. Ça va dépendre de notre orientation. Donc descendre au niveau somnambulique, c'est vraiment quelque chose que tout le monde est capable de faire. Et je vous rappelle, ce n'est pas l'hypno qui vous emmène vers, c'est vous qui y descendez. C'est d'ailleurs un des points sémantiques assez sympas de l'hypnose hellmannienne, où on est constamment en train de remettre en avant, tu vas dans quelques instants doubler ton état de relaxation. Tu vas dans quelques instants faire ceci, ceci, cela. Je vous rappelle le principe d'Hellman là-dessus, il n'existe que des auto-hypnoses qu'on accompagne. C'est pas nous qui imposons une transe. C'est pas nous qui imposons un niveau. On emmène notre partenaire par un chemin balisé à se retrouver dans un état. Petite chose que je rappelle, parce que c'est toujours un petit peu délicat dans notre compréhension, chacun vit sa transe à sa manière. Il n'y a pas nécessairement des points clés de ressenti de transe qui sont similaires. C'est nous, en fonction de notre perception des choses, qui allons estimer que ça, c'est une transe. Par contre, dire la transe est comme ça et tu vas vivre telle ou telle chose, par exemple, très souvent, on peut avoir un rapport avec la transe et la relaxation, c'est juste parce que dans le cheminement inductif et d'approfondissement, on a la sémantique de relaxation, de calme, de détente. Une transe, et vous le vivez au quotidien, je vous le rappelle, c'est quand vous êtes en train de rêvasser, et vous n'êtes pas forcément inactif, vous pouvez même être en voiture, vous pouvez même être au cinéma, vous pouvez même être en train de parler avec quelqu'un, donc vous n'êtes pas forcément plus détendu, vous n'êtes pas forcément les yeux fermés, etc., etc. Et la sensation qu'on va avoir dans une transe d'autoroute va pas être la même que par exemple dans une transe de relaxation qu'on pourrait avoir dans de la méditation, de la sophrologie ou certaines logiques d'hypnose, et ne sera pas la même qu'une transe active qu'on va pouvoir avoir dans du sport ou dans un cheminement hypnothérapeutique où on va faire revivre par exemple un par thérapie ou émerger des émotions et exprimer des émotions. Donc ça, c'est parfois le truc un peu compliqué. C'est parce que on a associé, et là encore, vu que la cartographie, elle est ce qu'elle est, elle est pas forcément hyper juste et véridique, on a associé un phénomène à un niveau. Parce que ça permet de se dire, ok, quand je suis au niveau somnambulique, avec une petite suggestion, j'arrive à un niveau analgésique très facilement, quasi immédiatement. C'est simplement parce que on a ces associations-là et ces phénomènes qu'on estime que on est à des niveaux différents. Dans l'absolu, ça reste juste une possibilité pour nous de nous rattacher parce que justement, on n'a pas cette précision de dire ah mais non mais la transe c'est exactement ça. Personne ne vit les transes de la même manière. Ce qui est logique si c'est une communication entre le conscient et le subconscient, votre logique. Votre analyse, elle est propre à vous par rapport à votre histoire. Et toutes vos mémoires à long terme, toutes vos émotions, toutes vos valeurs, toutes vos croyances, tous vos patterns, bah là encore, elles sont propres à vous-même. Donc là, c'est en fonction de vous. Donc votre transe, elle est juste pour vous, avec ce que vous êtes. Et ce dialogue, il est votre histoire. Il est votre façon d'exprimer, de voir et de percevoir les choses. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!